Bonjour, je m'appelle Thomas, je viens du monde de la gestion de déchets et de la gestion de déchets de plastique. Donc aujourd'hui, les flux de plastique sont récupérés avec un effet de volume, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un volume suffisant pour que ça puisse intéresser des industriels. Moi, ce que je veux, c'est développer en fait l'utilisation de plastique recyclé pour des volumes qui sont un peu moins importants, ce qu'on peut appeler des flux diffus. Donc, par intermédiaire de WasteWasteSprint, je souhaite en fait proposer la facilitation d'utilisation des plastiques recyclés. Et pour ça, je veux développer en fait un service d'impression 3D à partir de granulés dans un premier temps, pour parler le même langage que les industriels de la fabrication d'objets en plastique, également des fabricants de granulés, et ensuite amener tout ce monde dans justement l'utilisation de ces granulés sous forme de granulés recyclés ou éventuellement de plastique broyé recyclé. Donc le projet s'appelle WasteWasteSprint parce qu'il y a une dimension aussi locale, donc essayer de trouver des boucles d'économie circulaire au niveau local.